Bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance générale de novembre 2021. Quelles sont vos énergies conclusions pour cette guidance? On va demander au guide, allez, bélier, novembre 2021 s'il vous plaît. Bélier, novembre 2021, c'est parti. Ça sera celle-ci, bouteille à moitié vide ou bouteille à moitié pleine? Je crois que vous l'avez déjà eu celle-ci. Allez, on va voir ça. Pour ceux qui me suivent, et je vous en remercie, bienvenue aux autres. Gaïa, vous savez, difficile pour moi de faire une guidance sans énergie. Le pouvoir énergétique est très très fort avec cette pleine lune, extrêmement puissant. Les guidances sont puissantes, beaucoup d'arcanes majeurs. On va voir ce qu'il en est pour vous, amis béliers. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire pour compléter les informations. Allez, quel message, Gaïa, as-tu pour les béliers pour ce mois de novembre 2021, s'il te plaît? Énergie centrale. Associé et de fin de mois. Alors, votre énergie centrale, vous aussi, vous êtes en plein démarrage émotionnel et affectif. As d'eau, c'est magnifique. Hein? Feu d'artifice pour vous sur le plan émotionnel. Vous aussi, vous avez le 8 de feu. Regardez, flamboyant, énergétique, passionné pour aller vers des étoiles. Carte de vitesse par excellence. Eh bien, ça commence fort. Et vous aussi, du coup, vous êtes satisfait avec un alignement corps et esprit absolument magique. Le phénix qui renaît de ses cendres. Eh bien, ça promet. Il semblerait que ce soit une bouteille à moitié pleine, du coup. On va demander au guide d'aller compléter cette information que nous donne Gaïa. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Allez, le rider, on complète. Bélier, novembre 2021. Alors, ce nouveau départ affectif et émotionnel, ça cadre beaucoup. Quel est cet événement majeur qui va arriver rapidement à vous? Flamboyant événement. Et en quoi consiste cet alignement corps et esprit? C'est joli, hein, en tout cas. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez peut-être retrouver votre amour d'enfance. Ou vous allez peut-être tout simplement rencontrer une personne qui est tellement pure, avec des sentiments tellement purs, que vous allez être bien. On est dans du cœur, cœur, cœur. Je suis dans une guidance générale, je peux aussi effectivement élargir la situation en disant qu'il y a une association qui peut apporter bien-être sur le plan matériel, sur le plan du travail, sur le plan artistique ou sur le plan sportif. Néanmoins, on est quand même sur deux cartes très, très émotionnelles ici. Quel est l'événement majeur qui vient à vous? La force. L'événement majeur qui vient à vous, c'est la force. Tout simplement, c'est la force tranquille. Donc, c'est quelque chose de très puissant, à la fois très puissant, mais qui va créer probablement quelque chose de très positif ici. Mais ça ne va pas être un bouleversement. Ça va arriver par contre très vite. Mais ça va être un peu la force tranquille. Vous savez que la force, c'est vraiment... On est dans la douceur. C'est puissant, mais doux. On a bel et bien un élément. Donc ici, c'est une reine. Hein, vous adaptez en genre. La particularité de la reine de coupe par rapport au roi de coupe, hein, c'est qu'elle est douce. Les choses se font doucement, gentiment, mais sûrement. Ça vient exactement compléter ce que je viens de dire avec la force ici. La reine de coupe, ça peut aussi représenter une tierce énergie d'eau. Donc, signe d'eau. On va attendre un peu parce que c'est pas... Je vais attendre que mes guides me le confirment. C'est pas très très fort sur les ressentis. On va compléter. Troisième tarot, troisième ligne, s'il vous plaît mes guides. Complétons. Ça veut parler, on y va. Alors, sur ce démarrage pur des sentiments,
sur cette force tranquille, mais qui va quand même venir créer un événement, on va dire, mais rapide dans votre vie. Et cet équilibre retrouvé. Encore reine de coupe. Oui, ah, je disais que ça allait pas être fort. Bon, la reine, la tour, l'arcane majeur de la tour, est, comme toutes les cartes dans ma lecture, et vous le savez pour ceux qui me suivent, pendant négatif, pendant positif. Donc, chamboulement total. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien la tour et qui aiment bien la mort, la carte de la mort, tout simplement parce que si on veut que les choses changent, ben, il faut qu'à un moment donné, on fasse table rase du passé. Ici, on a quand même deux cartes très connotées amour. On ne va pas se leurrer. Donc, ça peut aussi être interprété comme un coup de foudre, mais en tout cas, c'est un chamboulement. Voilà. Mais un chamboulement, bon, assez puissant. Hein, on a la force qui est puissante, mais ne pas oublier que la force, elle ne fait pas... c'est pas le feu d'artifice. Mais on a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr, pour du mieux. Et c'est possible que ce puisse être interprété comme un coup de foudre. L'impératrice, arcane majeure. Encore une arcane majeure avec une arcane majeure ici. L'impératrice, c'est la naissance, c'est la mère nourricière, c'est l'enfantement, c'est peut-être une naissance au sens propre du terme, quelque chose qui va arriver très rapidement. Mais en tout cas, c'est la création d'une nouvelle situation qui est extrêmement lumineuse et extrêmement puissante et extrêmement rapide. Il y a une situation... on quitte une situation pour aller vers un horizon beaucoup plus étoilé. Il y a un changement radical quand même dans cette vie, ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On a encore de la coupe, mais c'est pour un bien-être. N'oubliez pas que Gaïa, elle se trompe rarement. Nouveau départ émotionnel qui crée un véritable bien-être, un véritable équilibre corps et esprit. C'est une très très jolie carte. On continue, quatrième tarot, quatrième ligne s'il vous plaît mes guides, pour essayer de préciser tout ça pour nos amis Bélier, novembre 2021 s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est un coup de foudre? Quelle est cette naissance? Et en quoi consiste ce nouvel équilibre? Arcane majeur encore en dos de deck. Oh là là. J'aime beaucoup ce tarot. Il est encore différent des autres. Ils sont tous différents. J'ai qu'un tarot, entre guillemets, classique. C'est celui-là. C'est un tarot particulier. Donc, le carte zéro. Mais on voit bien que cette carte zéro, si vous voulez, c'est une main tendue et vous suivez votre bonne étoile. Il est particulier pour dire que c'est un feu d'artifice. Et il y a une main tendue, mais qui est un véritable diamant. C'est un nouveau départ pour vous, pour quelque chose d'extrêmement lumineux. C'est peut-être un coup de foudre, du coup, feu d'artifice. Vous allez vers une des meilleures cartes du tarot, le 4 de bâton. C'est-à-dire que vous pouvez jouer l'équilibriste, vous retomberez sur vos pieds. Vous êtes dans un environnement d'équilibre, d'harmonie, de bien-être. Quel tirage! Et je vous avais prévenu, mais c'est tellement synchro, c'est tellement évident. Vous sortez la tour, donc il y a quelque chose qui s'effondre automatiquement. Donc c'est très logique de sortir la mort. C'est tout à fait normal. Vous quittez une situation, si vous quittez cette situation, c'est que ça ne vous convient pas. C'est très chouette, hein. Cinquième tarot, cinquième ligne. Pour les béliers, il y a un changement majeur. Pour vous aussi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Ouais, encore l'impératrice qui vient de sauter.
Il y a la naissance de quelque chose de neuf, de tout neuf, de tout neuf, de tout pur, de tout beau. J'ai hâte de voir la carte que je vous sors. Alors, nouveau départ explosif là, nouvel équilibre majeur et fin d'un cycle. Et je vous parle de fin d'un cycle en posant la carte et je trouve la roue de fortune arcane majeur. C'est un mois majeur pour vous, ami Bélier. Mois majeur. Beaucoup de cartes très très fortes. Oh là là, c'est un festival. Oh, c'est un festival que vous me faites là. Le soleil. Vous allez, ça, pour certains d'entre vous, malheureusement, ça pourra pas parler, ça sera pas pour tous les béliers du monde, hein, mais il y a certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose de fantastique. Voilà, vous quittez, vous partez sur une situation qui ne vous convient du tout, du tout, du tout, pas du tout. Et roi d'épée, vous savez ce que vous voulez, c'est pour ça que vous prenez la décision de partir. Il y a quand même vraiment un signe d'eau ici, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, la bouteille à moitié pleine, on vous dit, qui parle en toi quand tu baisses les bras, écris le chagrin, la tristesse, le désespoir et les doutes. Dépose ces mots avec amour devant toi comme des draps qu'on étendrait au soleil pour sécher. Tu pourras alors les enlever un par un pour voir ce qui se cache derrière. Ben, il se cache derrière quelque chose de très joli. Il y a effectivement une phase de votre vie là qui est en train de partir. C'est un tournant majeur. On va voir ce que disent les guides concernant votre énergie pour la guidance sentimentale. Bélier, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour les béliers, novembre 2021. Acceptation. Il y a un autre signe qui a eu cette carte. C'est une très très jolie carte. Vous voyez qu'on vous tend la main. Moi, je pense qu'il y a vraiment une tierce énergie. Et regardez, c'est pour sortir de la forêt et vous allez être guidé et sortir pour aller vers une énergie extrêmement lumineuse. Vous êtes sur la carte 55, hein, donc 5 et 5, 10, fin d'un cycle et aussi 1 plus 0, 1, donc début d'un nouveau cycle. C'est tout à fait synchro. Je peux ne que remercier mes cartes et mes guides parce qu'ils sont vraiment avec nous. On est vraiment en synchronicité, vous avez un départ majeur ici dans votre vie. On verra si au niveau sentimental, on est vraiment sur un signe d'eau ici tel que ça m'est dit. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Prenez soin de vous. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On se retrouve très vite. Namasté.